Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Bomber Crew. On va aller se faire un pilote de chasse. 6 pilotes de chasse tranquille, donc sur une mission assez simple, on va pas gagner grand chose en points de recherche, par contre c'est un peu ce qui me dépite. J'espère qu'on pourra ramener quelques photos. On fera quelques pecs vite fait. Paf, verrouiller ton cul d'école. On a le mal de mer, monsieur. Se pencher. Va falloir détruire des trucs. Oui, Francisca Festung sera là. Ce sera de la fête. Ok. J'espère que c'est ok, les petits enfants. Hein. Ah. Non, vol normal. De type normal. Ça fait une belle collection de connards bien alignés. Il y a moyen de s'amuser un peu. On va le plus possible droit sur les pilotes. Charger ici cet objectif, ouais, s'il te plaît. Ils sont marqués. Parfait, plus qu'à patienter. On voit le bord de plage, on ouvre les portes, on demande une petite reconnaissance radio, et on s'apprête à larguer le tranquillement. L'autre il explose les yeux comme s'il n'existait pas, avec le plus grand mépris du monde. Ah, Francisca est arrivée, petit marquage auto s'il vous plaît. Voilà, donc on va demander à Bert se concentrer, de balancer de la paix pour qu'on se concentrer et de balancer de l'incendiaire. On balance toujours pas. Voilà, tranquillement. Pas de discussion à avoir. Ah, alors oui, d'accord. C'est le type d'avion à vouloir se mettre en dessous. Ok, pas de problème. Et tout. Photo s'il vous plaît. On a un doute? Un doute Tassai? Voilà. C'est ce que je me disais. Il y avait un doute. Un doute à persister à un moment donné. Bon, le bombardier a les droits petites mains. Un superbe avion de chasse. C'est un outrage. Surtout, je crois que c'était un rapport chasseur bombardier que t'avais. Hein. Ah, j'ai plus les modèles en tête hein, depuis que j'ai vu War Thunder. J'ai désinstallé ce jeu. On va faire un peu d'économie de carburant. Faire un peu d'économie de carburant parce que ça m'étonne que j'ai plus de photos. Et comment ça photo là? On serait bien vu en prendre une deuxième sur l'autre côté de la côte, mais visiblement il a été décidé que nous. Bert, s'il vous plaît. Voulez-vous bien vous concentrer du balancer de l'incendiaire dans la bouche? Dans la bouche! Ouais, merci, merci. Vous êtes fort aimable. Si vous êtes un monsieur. Ah, mais attendez, je crois qu'on voit une légère différence au niveau de ses yeux. Ce qui fait que Bright, ça a l'air d'être des femmes. Bert, ça a l'air d'être un homme. Duncan, ça a l'air d'être une femme. Alors, c'est vrai que oui, vous êtes que des femmes dans ce. Oui. C'est-à-dire que même Monsieur Scott, je crois que c'est Madame Scott. Mademoiselle Scott, en fait. Je crois qu'il n'y a que des femmes. D'ailleurs, pourquoi il y en a que. Pourquoi Scott t'as des lunettes? Tu fous déjà rien de tes journées et en plus de ça faut que tu te la pètes avec tes Ray-Ban, tu commences à nous saouler Scott, je te préviens, ça va mal aller. Hein. Voilà, c'est désagréable, ce Scott. Petit bateau, petit sous-marin, c'est pas trop informé.
Voilà, pour les petites missions rapides, l'argent facile. On aime l'argent facile. Ah, je me fais tuer dessus par le petit sous-marin. Qu'il est vilain. Il reste la moitié de notre carburant, c'est une bonne nouvelle. Ah, allons droit devant, ça y est. Ah, bravo, mademoiselle Barton, trop contente. Vous avez vu, c'est la maison. Incroyable. Ouais, bah écoutez, pour cette as, c'est fait. Et il en reste vraiment de moins en moins. C'est vraiment. Enfin, vous me direz, c'est logique, mais enfin là, ça commence à devenir ridicule. Paf, on a pris un peu de recherche, et c'est pas vilain. Voilà, tout le monde est revenu. Ah, bah tiens, on va pouvoir. Alors, oui, c'est ça. Richie, c'est une fille. Elizabeth Scott. Anne. Donc, il y a Frank Burt. Frank, c'est un homme. Et après, ce ne sont que des filles, donc oui, c'est ça. En fait, celui qui s'en prend plein la gueule, c'est l'homme, d'accord. C'est ok. C'est le seul qui prend d'ailleurs les balles, hein, vous noterez. J'espère que vous avez noté. C'est quand même c'est l'homme par balle, visiblement. C'est concept, hein. Je suis d'accord. D'accord pour dire que c'est concept. Ah non, mais il n'y a rien à débloquer après, quoi. C'est ça ou rien, quoi. Et c'est le MK3 léger. Genre, je pourrais jamais accéder au MK5 léger. Au MK4 léger, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? C'est vrai, on est vraiment là en moteur, on s'arrête là? Genre, c'est fini après? Ah ouais, ah ouais, non, c'est un peu chiant. Hein. Ouais, c'est un peu chiant. Ouais. Faudrait faire quelques petites concessions. Faudrait voir à faire quelques petites concessions pour pouvoir charger le. Tout ce qui est matériel un peu. Enfin, les systèmes fiables, je crois que c'est l'hydraulique qu'on peut avoir. Non, c'est le radar qu'on peut avoir en MK5. Donc c'est quand même très intéressant de l'avoir lui à bord. Le problème c'est que je ne peux pas le payer. Parce qu'il est trop lourd. Donc effectivement, on va être obligé de faire un petit choix. En MK3 léger. Gagne beaucoup de portance en MK4. Ah oui, mon MK4 blindé là. Ah oui, non, c'est ça en fait. Le seul qu'il faut que je. Ok. On va partir sur du port interne. Et on va s'alléger un peu. Pour pouvoir transporter justement le radar MK5. Je crois que c'est tout ce que je pouvais. Je voulais acheter, je ne sais plus. En fuselage, on a encore de la marge, vous voyez, on monte jusqu'à MK7 et c'est bizarre pour les moteurs, je suis capé, bloqué très très vite, très tôt. Ce qui m'étonne beaucoup, en fait. MK4 léger, je crois que je pars de l'armure, hein. Ouais, je pars beaucoup. Pas beaucoup de blindage. Encore une fois, ça me dérange pas d'avoir un veau qui vole, mais faut qu'il soit blindé ce veau, faut qu'il tienne. Y a pas de. Ok, on va pas regarder ça, ça m'a piqué les yeux. Très bien. Bon bah on est quand même bien riche par contre, là, on a du fric, on se fait plus. Ah, petite mission des familles, hein, bien sûr. La mission critique, donc en rouge, attention c'est dangereux. En arme principale, il y a la mission 3 qu'on n'a pas faite, qui est toujours indiquée comme étant genre facile, genre c'est la promenade. Non mais à ce point-là que c'est la promenade, ça me choque à quel point c'est une promenade. Parce que j'y crois pas que ce soit une promenade, genre il y aurait vraiment... aucun radar, aucune zone de flak, genre ce serait la balade. Genre. Bon, de toute façon,
Tant qu'on a le bonus de flak, on va aller faire la mission critique. Les risques sont élevés. Opération Suzerain, c'est le grand moment. Nous allons soutenir la force d'invasion qui prendra les plages de Normandie. Utilisez vos bombes avec parcimonie et soyez prêts à tout. Bonne chance. Ouais, donc en gros, j'ai une bombe pour chaque emplacement et encore, il m'en manquera deux à la fin. En gros. Opération Suzerain. C'est parti. C'est parti, les enfants. On décolle. Nos escottes, on a besoin de carburant sur Londres. Je pense qu'on a déjà signalé 15 fois. Okay. Détruisez la cible. Quelle cible? Quelle cible, monsieur l'âge? Ok. Moi je veux bien, mais je crois qu'il va falloir mettre un coup de collier là. Ça va tellement être encore la course. Moi je déteste la course, j'annonce. J'aime pas trop qu'on la teste. Hein. Oui, car savez-vous, ça s'appelle une cage de Faraday. Ça se liste. C'est validé en 48. On est bon, donc apparemment, on peut se permettre d'économiser un peu de carburant. On va pas gêner, on va le faire. Parce qu'on a déjà tapé la moitié du réservoir en speedrun. Une petite radio de repos, s'il te plaît, même si je pense que là. En vrai, c'est un peu de blague. Ah, si, si l'objectif secondaire il existe sur la carte. Et à première vue, on y va. On va dessus en plus. Ah, bah, c'est bon, on se fait lâcher direct. Direct, direct.
Ouais, c'est bon, les pompes sont chargées. On a dit avec parcimonie, donc je ne vais même pas commencer à viser à balancer des bombes sur tout le monde. J'aurais bien fait d'abord un crochet dans la zone de flaque. Je suis pas sûr. Je suis dubitatif. A tous les coups, le pilote m'a suggéré de monter. Et je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu. Ce squat un petit peu quelque chose s'il vous plaît. Donnez-nous un peu quelque chose s'il vous plaît. C'est pas le moment de se ramollir. Le destin se dessiner au loin là. Tu le vois, tu n'oses pas, mais tu le vois. En plus, ça fait hors de ma part, je crois que Wright, tu as la capacité de balancer des bombes à cette hauteur. Très bien. Ok, faut un marquage autour. J'ai pas le temps. Donc on va bien sur l'objectif, non? Je ne sais plus, je ne sais plus si on y va, si on y va pas. Si on va complètement dessus, ouvrir les portes, on va balancer à cette hauteur. Ça de ce côté là tout de suite, j'ai pas fait gaffe du tout. Tout le carburant est en train de se barrer, les moteurs avec. Ok, on rééquilibre un peu la jauge. Tu peux aller recharger s'il te plaît, parce qu'en fait t'es à sec. Burt, tu te concentres s'il te plaît. Je crois qu'il y a des mecs qui arrivent encore. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il te plaît, un marquage auto et en reconnaissant, s'il te plaît? Voilà, comme ça il n'y a pas de surprise. Burt, il est vraiment pas frais du tout. Tu passes en incendiaire, s'il te plaît. Ok, Wright est toujours à ton poste. Nickel. On va quand même aller dessus. Ah, c'est des aéroports, ils lancent des becs tout le temps, ça me fatigue. On tournera avec un moteur en moins, on fera des économies de carburant. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. On va par là. Et on va. Ok. Balance de la paix, on va chier. Et on va monter. Ok. Très bien. Scott, je vais peut-être pas te sortir tout de suite que ça bombarde. Balance tes HE, concentre-toi, balance tout ce que t'as. Recharge. Micro-aborg. Et tu descends ici. On devrait pas subir d'attaque au niveau radio. Pas la reconnaissance encore. Okay. Magnifique shot. Très joli. Tu ne vois plus rien, c'est formidable. Non, on va continuer à voler. On est au-dessus de la mer là. Ok, très bien. On va donc plonger.
On va rester bas. Ça peut être carburant. Je risque un crash assez déplaisant. Je vais soigner mes deux artilleurs, donc j'y suis. Attends, je suis pas sorti des trains d'atterrissage, gros. Calme-toi, calme-toi. Très bien, bon, ça s'est bien passé. On est good. On est David Good et Neuf. Et ben, elle n'était pas facile. Ouais, disons qu'elle n'était pas évidente. Mais j'ai tout pris. J'ai pris la photo, j'ai eu le temps de tout faire, donc finalement ça va quand même. Et munition HE pour Hugues. Cool. Cool, cool, cool. Ok, fuselage d'avion blindé MK5. Ouais. Ouais. Certes. Le blindé MK5, hein, donc on est sur du toujours plus vénère. Du ostensiblement plus vénère. Ça me va. Hein. Plus c'est vénère, plus ça me va. Hein. Je suis pas un mec difficile. Merci. On a MK5 partout, en poids on est encore bon, hein, ça nous a pas alourdi tant que ça. Donc ça va, ça va. Ok. Ça commence à faire beaucoup d'épaisseur de blindage. C'est bien. C'est ce qu'il faut. Que des missions shoot sport parce que avion de chasse dans la zone et qu'en plus de ça, de base, c'est pas des missions faciles. Ouais, c'est pas top. Et du coup la mission secrète, ouais. Mission secrète, tu comprends pas qu'il y a un type qui va venir nous embrouiller. Étonnant. Ça fait beaucoup de flak, ça fait beaucoup de flak. Je suis pas très fan du flak. Abri de sous-marin à Brême, là ça peut être intéressant parce que finalement on va peut-être pas longer tant de côtes que ça, quoi. Et on aura un as. Probablement Schnellmann ou Van Dussel. Ah, ça peut être n'importe lequel, hein, tu me diras, ça peut être Kale ou ça peut être cela, mais enfin. Pour faire passer toutes les missions en rouge, je pense que c'est quand même un assez gros chasseur. Un assez gros. Allez. On va sur Brême, on sort un as comme ça, tranquillement. On se dit, on se fait ça pour le petit déjeuner, c'est bien. Ça remplit la vidéo, c'est ça qu'il faut se dire. On s'est fait au moins un vrai salopard comme ça durant la vidéo, on est bien. Mmh.
Termes de caméra, hop. On se penche. La bombe blanche-lame ne peut pas être larguée. En ouvrant la soupe, ne laissez pas subir trop de dégâts. Attends. Qu'est-ce que c'est que cette mètre? Attends, qu'est-ce que tu viens de me dire là? C'est quoi ton blanche-lame? C'est quoi ta connerie là? Attends. Right, mets-toi à la bombe. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, il faut pas qu'on se fasse tirer de dessus, c'est ça? Faut pas qu'on se fasse. Faut pas se prendre une balle dans le caisse. Par contre, on va genre droit sur l'objectif. Ça, quelque part, ça me plaît. Ça flaque, mais ça flaque, évidemment. Allez, on monte. Oh, tu m'étonnes. Allez, squad, mets-nous un petit coup de taquet là. L'avion est en bon état, le flak en vrai nous a pas fait grand chose. Sors-le. Assurez-vous de larguer le grand chemin volant à haute altitude. Ah, il faut être en haute altitude. Oh non, Darth, t'es mort. Recharge. En haute altitude là. Mais jamais je le vois, mec. Jamais je le vois. T'es ouf ou quoi? Bon, grand chelem en haute altitude, on monte. Et je suis jamais. Déjà, je serai jamais en haute altitude quand je vais la larguer là. Faut que je fasse demi-tour, obligatoirement. Ok. Souviens-toi. Ouais, donc je vais faire demi-tour déjà. Économise du carburant, pas besoin d'aller vite, de toute façon on fait le tour. Oh, oh la mission de chien quoi. Faut bien étudier le relief, hein. Ok, étudie le relief. Le vrai, port, le machin, ok. Normalement c'est une type qui devrait se voir assez aisément. Maintenant, j'ai pas encore passé la couche des nuages. Donc voilà. Et puis il faut que Jean-Luc Cartman décide de nous faire faire demi-tour, sinon c'est baisé. Et il ne voudra pas. D'accord.
c'est bon. Je vais faire demi-tour. Est-ce qu'on voit l'aérodrome? En train de monter là. Oh, mais il va pas vouloir que je lock. Si c'est bon. Moi j'ai la main sûre. Moi y a pas de problème. Bon, je vais la lâcher. Je vais la lâcher. Il y aura pas d'embrouille. Il y a pas d'embrouille. Tant que ça pète. Je vais MJ, basse altitude s'il vous plaît. Grand chelem déverrouillé. Cool. Marquage auto s'il te plaît. Un 2 de reconnaissance. Allez, on dégive, allez. On dégive les pouces. Hein. On n'a pas le temps. On se concentre. On tire de l'incendiaire. L'incendiaire, ça met toujours tout le monde d'accord. C'est vraiment la munition à partager avec son prochain. Quand j'ai des petites balles incendiaires ou des cocktails incendiaires, je partage toujours avec mes prochains. Et ça, c'était avant qu'ils augmentent les taxes, bien sûr. Parce que maintenant, j'ai plus l'argent. On va par là. Ah, on va la prendre, notre photo. Ah, rêvez pas, hein. On va la prendre. D'ailleurs, non, si on se remettait en moyenne altitude, en vrai, parce que en fait, déjà, ce que j'ai la capacité de pouvoir prendre des photos à cette altitude. C'est surtout que j'évite toute la zone de flaque, toute la flacasse. C'est recharger une liste, hein. Tout encore bien. Je vais être dans la zone de flaque, je vais pas trop avoir le choix. Allez, on descend, on passe à l'altitude. Une petite plongée, quoi. Y crois pas. C'est économiser du carburant. On voyage encore un peu. Il n'y a pas de. C'est bien qu'on passe. Souriez les mecs, vous êtes filmés. Y'a pas de problème. Et on va traverser la zone de flaque. On a l'air d'être en dessous en vrai. Je pense qu'on s'en prend. Je pense qu'on est dedans quand même. Je pense que le jeu considère que de toute façon on est dedans. Là par contre on sera dedans. Il n'y a pas de soucis. C'est pas grave. Alors, on va quand même traverser de part en part le bordel. Il n'y aura pas de problème. Ah, j'ai besoin de toi au poste des bombes. Avant qu'une reconnaissance radio nous fasse découvrir. Ah, j'aurais pu esquiver, j'aurais pu glisser entre deux zones de flaque par contre, j'avoue. J'aurais pu faire ça. On l'a pas fait. Cage auto, il y a des touristes là-bas marqués. Alors là, on est bien. J'aimerais bien aller les embrouiller pour gagner un peu plus d'XP. Mais ils arrivent. Très bien. Qui est là? D'ailleurs, je n'étais pas censé croiser un as là. Ah non, c'était la mission critique. Bah, je sais plus ce que je fais. Je ne sais plus ce que je fais. Mais je vous change le fer. Par contre, hein, c'est. Ça là-dessus, sachez que je déconne pas, hein. Je le fais. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Vous tirez bien, Hugues. C'est bien. Je suis d'accord. C'est vrai que.
C'est vrai que Hulk, il tire bien. Enfin, elle tire bien. Le seul homme à bord, qui est encore le seul qui a bouffé moult dégâts. Enfin, là, il a pas mangé grand chose. Ça a quasiment été le seul à manger, quoi. C'est le mec qui paye pour tous, quoi. Marquage. Le mec qui claque des marquages auto comme ça. Allez. On crame du carburant, on n'a plus rien à foutre. On est sur les côtes. On est à la maison. C'est bon. J'aimerais bien surtout qu'en fait les radars, non seulement bah effectivement tombent plus vite, c'est vrai que c'est pratique, mais j'aimerais aussi beaucoup que en fait ils nous permettent de marquer les cibles plus vite, parce que j'ai pas l'impression que c'est le cas. Surtout le train d'atterrissage. Vas-y, on revient tout fouiller, on est pressé. On est toujours pressé. Tu fais des moves là. Calme-toi. Calme-toi bien. Vas-y, vas-y, atterris. Atterris. Pousse pour atterrir, vas-y. Faut voir un bombardier pour un jour atterrir avec un boost. Ça va être très rigolo. Sauf pour le mec qui le pique, je pense. C'est bon, on est retourné à la base officielle. On s'en sort, on est bien, on est bon. On est bon. Paf. Tac 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 tac. Très bien. Les médecins ils n'évoluent jamais, c'est une catastrophe. Ils sont tous bloqués à 4. Alors on a débloqué de la tourelle MK3, ouais c'est ça, avec bombe de munitions, donc ça peut être intéressant du canon MK23. Ah, il y a moyen de passer sur une vraie upgrade là messieurs. Il y a moyen de passer sur quelque chose d'un peu solide, d'un peu vénère. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que pour la queue, on est sur du 0.5. Mais ça c'est moins puissant en fait, c'est de la merde. Vous voulez me vendre de la merde, monsieur? Non, ah non, c'est pas de la merde, ah désolé. J'ai eu peur, excusez-moi. J'ai cru que pendant un moment vous vouliez me voler. J'ai eu un doute. Un doute m'a assailli d'un coup. À un moment donné, j'étais pas prêt. Le tribord intérieur, oui, on va installer le GM4A, hein, c'est parti, hein, j'ai pas le choix. Sinon j'ai pas de sauce. Sinon, on va pas pouvoir mettre la sauce. Ah! Donc, plus de dégâts par seconde et plus de munitions par ceinture. Très bien. On aime beaucoup. La ventrale. De toute façon, j'ai l'argent pour tout. Hein. J'ai même pas besoin de regarder. De... Ah, qu'est-ce que j'avais là en premier? Non, c'est bon, je le tue. Y'a pas de problème. Oui. Mais complètement. Mais parfaitement, monsieur. La dorsale. Évidemment. On aime ça. La frontale. Mais bien sûr. Plus de pénétration. Complètement d'accord. 4 missiles. Oui, on s'en sert jamais, mais vas-y, on les prend. Je peux avouer que je pourrais m'alléger de combien si je les enlevais? Je perdrais 600 kilos. Je perdrais 600, je pourrais réalourdir un de mes moteurs à la limite. Vraiment, je m'en sers pas beaucoup. On a débloqué que des armes, je crois. J'ai eu l'impression. Que des armes. C'est bien, hein. C'était du bon. Hein. C'était du bon, c'était du bon. Du bon bonbon. C'était du bonbon pour les yeux. Voilà. Paf. Et du coup, bah, on n'aura pas croisé notre super terroriste. Alors là, on a quoi? On a deux missions dans une mission. Je crois qu'ils sont en train de se rouler dessus. Mais sur la ligne Maginot, l'aérodrome de machin. Là-haut. Tour à canon flak de Vienne. De Vienne jusqu'en Autriche. Calmez-vous. Calmez-vous. Par contre, là, dans tous les cas, dans cette mission, il n'y a pas de chasseur ennemi. Ça m'étonne énormément. Et indiqué en facile, genre, vas-y, c'est cadeau. Genre, c'est la mission 3, mais c'est cadeau. Je pense qu'on fera ça. Mais je pense qu'on le fera dans un prochain épisode. Sur ce, je vous remercie. C'était Knarfrank sur Comme d'habitude Gaming pour Bomber Crew. Je vous dis à la prochaine. Ciao.